Salut à tous et à toutes, c'est OX et Toxic. Salut, salut. Donc on se retrouve sur Formule Personne ou une petite formule vient de passer sur Formule One 2013. Donc on va vous faire une vidéo bonus. Voilà, Donc je tout te laisse expliquer ce qu'on va faire. Ben alors, en gros, on va se prendre pour des présentateurs, en gros, donc de Formule One. Donc voilà, donc en compagnie de Jean-Louis. Oui, bonjour Thierry, comment vous allez bien? Mais ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Formule 1. Donc voilà, donc en gros on va parler comme ça et en gros on commente un classique. Donc en gros c'est toutes les stars genre Alain Prost, Berger, enfin tous ceux qui ont même Schumacher bien sûr à l'ancienne. Voilà, donc c'était la F1 en de 1989 je crois, enfin un Voilà, truc comme ça. Voilà. Donc on vous souhaite une bonne vidéo et puis sur ce, à tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, ici Jean-Louis en compagnie de Thierry. Salut Thierry. bien le bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons enfin sur la piste, les pneus sont chauds. Voilà, c'est parti alors que le début de la course commence. Attention, on suit bien sûr le grand Fittipaldi qui va peut-être s'insérer. Voilà, il s'insère directement. Regardez Thierry. Oh là là! Magnifique, magnifique. On voit les étincelles. Donc à préciser que c'est le Brésilien qui est dans l'écurie Lotus. Voilà. Lotus, voilà. Ouais, Team Lotus, tout à fait. Mais cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Regardez, on va voir. Oh là là, l'erreur! On a vu l'erreur! On a vu l'erreur commis. Attention, je crois que c'était Schumacher avec l'autre coéquipier de la Team Lotus, qui est autre que, bien sûr, je cherche sur mes papiers. Voilà, c'était Mario Andretti. Andretti qui est parti à la faute avec Schumacher. Attention, Mario. Ça continue toujours. Ça continue, ça continue. On va alors qu'on va enlever magnifiquement ça. Donc attention, on va voir. Ça continue toujours, on va. En tout cas, ça switch. Attention, ça switch attention. Au niveau des vues. Attention, on est derrière. Les étincelles. On est derrière, bien sûr. Oh là là, ça sortir de route. Sortir de roue. Attention, c'est parti. Bon, attention, bon, nous sommes bon. En caméra intérieure. On se retrouve sur le dessus. Le Brésilien qui a repris, bien sûr, toute la situation bien au mal. Attention, en tout cas, il est derrière. Je crois que c'est bien Damon Hill. Oui, Damon Hill qui est sur la team Williams F1. Attention, oh là là, il prend oui, l'aspiration, oui. C'est magnifique, ça passe devant, ça passe devant. Attention, attention, ça il va falloir faire gaffe, attention. Il va falloir faire gaffe, il va falloir gaffe, attention, oh là 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 là, les étincelles, ça ne nous la pique que les yeux, attention, ça prend l'extérieur, mais ça, mais va ça passe, ça passe, il passe sur, bien sûr, talons, je crois que c'est Berger, mais je ne suis pas sûr, en tout cas, ça va les faire prendre l'aspiration sur la team Lotus, excusez-moi, autant pour moi. C'est la team. Si, c'est l'autre team Lotus avec Hakkinen, bien sûr. Hakkinen, voilà, c'est la team Lotus sans T. Attention. Tout à fait, team. Oh là là, alors que ça switch, on voit, on est carrément. La télévision de nos jours est quand même assez évoluée. Ah, hein. Ça nous montre un prodige carrément. Ah, ça c'est sûr. Une caméra attention, il sort encore. Ça ressort encore. Ça ressort encore, attention. Il a pris un abonnement chez Jardiver, c'est un petit coup. Attention, il va falloir faire gaffe parce que là. Voilà, il a finalement. Il a, et il a, ça il a, repasse il a, devant. Il a préféré laisser passer. Hein. Serait-ce. C'est bien. Hakkinen. Hakkinen, ouais, c'est bien Hakkinen, c'est Mika Hakkinen. Attention, il continue. Alors, on a la vue. Le attention, est-ce qu'il va le prendre en aspiration? Attention. Oui, prends sa respiration. Et pas dit, ça passe. Ça passe. Attention. Le Brésilien qui nous montre faire gaffe. Un show magnifique. Il va falloir faire gaffe. Ça sort encore. Il sort un petit peu trop, mais c'est bon. Attention, il va essayer d'aller chercher Nigel Mansell. Le tenant du titre, je vous rappelle qu'il est encore. Champion du monde s'il gagne cette course. Ouais, chez l'écurie Williams FW12. Vraiment un très très talentueux ces pilotes. C'est quand même incroyable. Attention. Oh là 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 là, sortie piste. Oh là là, attention. Ça peut être très très dangereux. Ah là 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 là. Il repart, en tout cas il a perdu. Oh là là, Prost qui est repassé. Oh là là là, il a perdu pas mal de place. Et il y a son coéquipier qui passe devant. C'est bien. C'était bien Mario Andretti. Voilà, donc pour l'instant. Il est derrière Mario Andretti, donc c'est-à-dire qu'il se place à la 7ème place. Et drapeau jaune qui a été signalé. Drapeau jaune. Donc, et comme la sortie de piste comme de, du Brésilien. Du Brésilien, tout à fait. Attention, il va aller faire, oh là va là aller là faire pressing sur. Je crois ça que. Passe, ça passe, attention, il va tenter le double. Oh là là, c'est magnifique. La team Lotus qui est. Thierry on peut dire que c'est magnifique. Ce Brésilien, Fittipaldi, est vraiment au mieux de sa forme aujourd'hui. Ah là là, c'est vrai que sur cette écurie de Lotus, c'est assez incroyable, on peut le dire. Va-t-il nous décrocher un podium, voir une. Attention, il va place. Essayer de prendre Prost et double la, Prost en intérieur. Oui. C'est magnifique. Oh là là, la forte. La faute de. C'est qui? Que je me trompe pas. C'était dehors. C'était bien. Oui, c'est bien Gérard Berger, voilà, le coéquipier de Michael Schumacher qui est parti à la faute et qui est out.
Et du coup, les places sont limitées maintenant à 9 pilotes. Bah oui, là c'est sûr, hein, il est out, je pense pas qu'il puisse revenir. À mon avis, il a cassé tout le devant, en tout cas, il va essayer de... Le Brésilien va essayer... je pense qu'il a plus que ça à faire, en effet, Thierry. Et nous voyons ouais, le Brésilien qui a encore 3 personnes. Oh là là, regardez cette vitesse. Cette vitesse, attention, alors qu'on va essayer de switcher sur les vues encore. Oh là là. Le progrès. Le progrès est assez incroyable. Attention, on est à l'intérieur du cockpit. Oh là là, ça botte un peu l'air. Non, on a vraiment l'impression de vitesse. Ça, c'est sûr et certain. Attention, il va falloir qu'il fasse gaffe. Va-t-il réussir à rattraper Attention, je crois que c'est bien. Damon Hill, je ne sais pas. Ça va être vraiment serré. Je sais pas si c'est bien Damon Hill. En tout cas, je confirme. Je confirme Jean-Louis, attention. Le britannique. Attention, ça va passer sur la ligne, attention, est-ce que c'était... C'est pas encore la fin, c'est le dernier tour. Je pense qu'on est sur le dernier tour, attention, il attaque. Moi, je pense qu'il va essayer d'aller chercher quelque chose. Ouais, il est à la porte du podium. Hein. Donc, va-t-il réussir à rattraper le membre britannique de l'équipe William Damon. Nous allons voir ça. Attention, il va essayer d'aller chercher, en tout cas, je sais pas, mais il est encore assez loin, alors que c'est le dernier tour. Est-ce que, à ton avis, Thierry, est-ce que c'est possible? C'est possible s'il ne commet aucune faute, mais cela ne nous regarde pas. Oui, tout à fait. Alors attention, on va aller voir. Ça mord quand même sur les côtés, mais c'est qu'à mon avis, il essaie d'aller chercher. Et savez-vous qu'il a bouclé son meilleur temps, je viens d'apprendre, le meilleur tour de la course. Oh là là, ce Brésilien il a vraiment l'envie. Oh là 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 là, il est mort. Ah là là là, à mon avis. Je pense que ce sera fatal pour lui. Ah là là, Thierry, je pense que ici ce sera la fin pour lui. Les autres sont loin derrière, mais il n'est pas capable de rattraper le Britannique. Ah là là, c'est sûr. Oh là là, il fait encore une faute et là c'est la fin. Là c'est la fin, voilà. C'est l'arrivée. En tout cas, on espère qu'on vous aura bien servi en tout cas dans cette magnifique formule. Formule des anciennes années. Voilà, de 1989. Ouais. Donc voilà, c'était les classiques F1. Sur ce, c'était Thierry et Jean-Louis. Sur ce. À plus pour un prochain commentaire. Voilà.